Yo tout le monde, c'est Edouard, j'espère que vous allez bien, nous ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo challenge. On adore les challenges, parce qu'avant on faisait tout le temps les challenges. Ouais, là. Et après on a arrêté. Ouais, je comprends pourquoi. Alors que moi j'adore faire les challenges. Et du coup ce sera un challenge action ou vérité. Ah, comme ce qu'on avait fait en on a fait un il y a des années, vous avez adoré, on avait tellement ri. Je me suis dit pourquoi pas recommencer 5 ans après en fait. Donc du coup n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Et sans plus attendre, c'est parti, proche de la vidéo. Le principe est très simple. On a d'accord. Ah, ça commence, il n'y a pas de pause. Et navigation, et il y a ton prénom, mon prénom. Donc on lance la partie, et tu devras dire soit action ou vérité. Bon, il y a des trucs un peu off et tout ça, mais on est entre frères, on va pas faire de l'inceste. Donc on va s'arrêter à fun. Action, vérité. Vérité. As-tu déjà fait pipi sous la douche? La base. Ça, c'est pas vraiment un... C'est un peu la base. C'est tellement la base, genre. Donc ouais. Action, vérité. Vérité. Et donc, si tu pouvais voyager dans le temps, tu préférais aller dans le passé ou dans le futur? Moi, j'aimerais retourner dans le passé. Parce que j'ai pas envie de savoir ce qui va se passer demain, ça m'intéresse pas. Ouais. Donc non. Carl, action, vérité. Action. Imagine que tu es dans l'avion dans lequel Edouard est un steward. Il doit te proposer un café, un thé ou de l'embrasser. Jouer la scène. Allez, propose-moi. Des stewards, truc de... Ah, c'est moi qui ai proposé. Excusez-moi, monsieur. On tourne là pour donner des rafraîchissants. Donc, vous voulez quoi? Un thé, on a quoi la liste? Thé, café. Il faut vous embrasser. Je l'ai bien fait. Ouais, mais c'était pas le script de base. Oui, mais bon, c'était pas fun le script de base. J'ai quand même fait. Il y avait quand même la proposition. Il y avait un extra. Il y avait quand même l'extra. Il y avait quand même l'extra. Donc j'ai réussi. 10 sur 10, ouais. Franchement, j'aime bien. Ah. Edouard, combien de fois penses-tu pouvoir faire l'amour au maximum en une journée? Moi, je pense. 3-4 fois. Hein. 3-4 fois? Ouais, je sais pas si endurante que ça. On t'a pas demandé, toi. C'est ma question. D'accord. Action vérité. Ah, c'est encore moi. Edouard. Pour quelle somme d'argent pourrais-tu poser nu pour un cours de dessin? Parce qu'il faut que je sois payé, genre. Non, il le fait gratuit, c'est gratuit. Là. Moi, me mettre à poil, c'est pas quelque chose qui me gêne. Vas-y, vérité. Vérité. Carl, quelle est, selon toi, la meilleure musique pour faire un striptease? Oh, so Stuart, baby. C'est censé être quelle musique, ça, genre, moi? Je sais pas, je sais pas ce qu'il chante, mais genre, ça fait. Tum, tum, tum. Tum, tum. Bah, oui, tu vois, elle là. Ah, attends. Sensuel. Ou ça Sensual Seduction. J'ai pas les rêves, j'ai un peu de mal. C'est Snoop Dogg. Ok, bah ok. Ok, je vois. Si vous reconnaissez ce qu'il a chanté, dites-moi en commentaire parce que moi, j'ai un peu de mal. On connaît. Action. Edouard embrasse délicatement la taille de Carl. La taille? La taille, c'est quoi? Non. Ben non, mais en fait, tu vois, c'est trop. Non, pas des trucs comme ça, on n'est pas inceste là. C'est trop. En fait, je suis désolé. En fait, les jeux, ils savent pas doser. On est frères. J'ai mis qu'on est deux mecs. Vous voulez qu'on fasse des trucs ensemble? On est où là? Action vérité. Moi, je crois. En fait, j'ai pas sur moi sa taille. Carl, quelle est la danse la plus sensuelle que tu choisirais pour danser avec ton partenaire? Le twerk. Ah. Maldi! Oui, c'est bon. Excuse-moi. Ok, bah le twerk, très bien. Moi j'aurais pas dit sans sensualité, mais bon, ok, si tu veux. Ensuite, moi, vérité, c'était un piège. Edouard, tu dois uniquement choisir des actions pour tes 3 prochains gages. Tiens, allez hop. Bah j'aimerais... Non, ou quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Passe. Ah ok. Toi tu n'as pas le choix là. Vérité. Vérité. Edouard, es-tu déjà dans un club de striptease? Sur GTA. De toute façon je me dis, t'es encore jeune, tu peux rentrer encore. Je suis pas rentré moi, je suis pas rentré. Edouard pas... caresse le visage de Carl et dis-lui droit dans les yeux à quel point tu le trouves beau. Tu sais quoi, vas-y, tu quoi, fais-le. Non, vas-y, moi, je suis sexy, hein. Prends plaisir, prends plaisir, prends plaisir. Arrête, ça me gêne là, quand tu fais des trucs comme ça. Prends plaisir, quoi. Caresse. Alors qu'il y a des meufs qui rêveraient, je sais pas comment vous pouvez, parce que moi, ça me répugne. T'aimes bien ce que tu touches là? T'aimes bien ce que tu touches? T'es trop beau, genre. Je sais. Ah! Encore un mot qui est trop beau. Tu le sais, celui-là, non? Tu l'as. Attends, tu le sais. Action vérité.
Validé. Carl, si ton partenaire souhaitait rester vierge au mariage, l'accepterais-tu? Ah non, frère. Ah donc toi, tu peux pas rester avec une fille si elle veut pas rester vierge. Tu non, moi je pourrais. Moi je pourrais pas, je suis un grand consommateur. Ok. Donc autant en fait, t'es addict au sexe, tu peux pas t'en empêcher. Ouais. Non. En gros, tu préférais sortir avec une fille qui fasse l'amour, quoi. Ouais, voilà, qui aime la consommation. Ok. Ok. Edouard, mets-toi dans la peau d'un séducteur, tu as une mini procédure Carl. Allez, fais-le. Essaye. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Tu bois quoi, là? Gin tonic, hein. Ok. C'est rien. Et après, tu fais quoi? Après, bah là, je rentre chez moi, je vois des Netflix, tu connais, en douceur. Hein. Bah, j'ai plus de batterie, tu prends un taxi pour moi, genre. Vas-y, t'habites où? Bah, c'est quoi ton adresse? T'habites où? Bah, c'est quoi ton adresse, genre? J'ai pas de maison. Tout de suite, je t'amène où? Bah, chez toi. T'as un cochon ou quoi? Moi je sais pas draguer les gars, je sais pas draguer parce que je suis pas sans prétention aucune. Les garçons me draguent, oui, je sais pas faire. Ah ouais, excuse-moi. Désolé, j'étais pas faire. Mais si, c'était bizarre toi, faut que je te donne des cours là. Franchement, ouais, apprends-moi parce que je suis vraiment trop nul pour draguer, je suis nul. Action vérité. Vérité. Car si ton partenaire t'envoie des photos coquines, les conserves-tu sur ton téléphone au risque que quelqu'un les trouve un jour? J'arrête de lui parler. Si c'est ma partenaire. Oui. Parce que moi je suis quelqu'un, je déteste tout ça. Bon. Comment ça? Bah tu m'envoies des photos pourquoi? Si j'ai mon permis, j'ai la voiture, gros, il y en a en soi. T'envoies pas de nude toi? Non, t'es homme, devant lui. T'as des infos à moi. Mais pourquoi? Pourquoi? Moi je suis ici, je suis un grand consommateur. C'était chaud, Ah moi j'adore les nudes, mais mon tac, moi j'ai un dossier dans mon téléphone, il y a tout parti du cœur, il y a fesses, il y a cambos, il y a tout, genre je suis désolé, mais moi je suis un consommateur en réel, je suis un consommateur en virtuel. C'est quoi tes téléphones, c'est pas là? Bah je suis désolé, je suis désolé, enfin des fois t'as pas le temps. Des fois t'as pas le temps de te déplacer, t'as la flemme et 3h du matin, tu crois que moi j'ai la flemme de. Je crois que j'ai la flemme de sortir. À part si vraiment t'as un putain de bon coup, t'es manurios. Là je prends mon Philippe, je cours, mais sinon non. Action vérité. Vérité. Car pourrais-tu faire l'amour à quelqu'un contre de l'argent? Si oui, combien? Mens pas, s'il te plaît, mens pas. Mais si je peux faire l'amour contre. Combien? Si je peux faire l'amour contre de l'argent avec quelqu'un. C'est vraiment que cette personne n'est pas du tout mon style, mais vraiment l'opposé de mon style. Ok. Moi, tu mets un bon. Parce que mon corps a un prix, hein. Mais performances aussi. Moi, je te mets un bon 8K. Hein. 8000 euros pour coucher avec toi, mais oula, tu mens. T'es tellement une menteuse, mais mon dieu. 8K, je te déroule. Même moi, je me brade. 8K, je te déroule. 8K, mais qu'est-ce que c'est 8K? Ah oui. 8K, je te dérouille. Hein. Si ok. Mon 8K, je te dérouille pas. 8K. Carl encore. Accepté. Carl, quelle est la partie du corps que tu regardes en premier chez quelqu'un qui t'intéresse? C'est la partie du corps que je regarde en premier. Les vraiment. Fesses. Non, tu sais que vraiment pas. Vraiment pas. Mais c'est vraiment quoi? Vraiment pas. C'est ses lèvres. Tu sais que les lèvres. Oh, parce qu'avant, tu sais, t'as vu, quand t'es enfant, tu disais cul, sein. Non, en fait. Les lèvres et le regard. Les regards, justement. Tu mens, voilà, mais en fait, ça sert à rien. Tu mens, genre. On a direction en vérité. Bah là, c'est plus de la vérité, tu mens. Pourquoi je regarde son cul? Ah non, tu regardes voir le cul. Mais non, je regarde le cul après, en second. Mais sinon, si elle a un gros cul, il y a les flingues du visage, ça m'intéresse pas, moi. Ok. Je regarde tes lèvres et tes yeux. Après, bon, je regarde si. Derrière, ça passe. Moi, vérité. Si tu prenais. Edouard, si tu apprenais que ta meilleure amie s'est fait tromper, est-ce que tu lui dis? Si. Franchement, moi je le dis, moi je suis quelqu'un, je suis trop loyal envers mes amis. Donc, moi, si ma meilleure amie s'est trompée par son mec, déjà son mec, je le fracasse et je vais lui dire ça à ma meilleure amie. Ouais, t'es quelqu'un. Je suis trop loyal envers mes potes, je suis trop loyal. Moi. Ça me bagarre, celui-là. Action vérité encore, moi vérité. Edouard, à quel âge tu as regardé ta première vidéo pour adulte? T'es wow. T'as 13 ans, 13, 14, 13 ans. Ah, toi aussi? Mon porno, je l'ai regardé à 13 ans, genre. Quel site? C'était peut-être un truc de gay, je sais plus. J'allais chercher dans les forums parce qu'avant c'était trop dur. Hein. J'avais été gay, deux garçons qui s'embrassent, deux garçons qui font l'amour, c'était trop gênant. Toi, exo vérité. Vérité. Carl, tu préfères vivre 2 ans sans sexe ou sans internet? Si on parle de questions, ça ne changera toujours pas. Moi je. 2 ans sans internet, on va. Et tu mens. Internet, quoi? Le sexe, c'est internet, le sexe, c'est rien le sexe. Hein. Enfin, internet, obsédé. En fait, vous les garçons, les garçons sont trop obsédés. Moi je vais vivre 5 ans sans sexe, mais 5 ans je ne touche pas le tout. Toi t'es quoi, t'es une licorne toi? Moi,
C'est pas la même chose sur un gay, c'est pas la même chose. Vous pouvez vous en passer, je suis désolé, moi je peux faire 10 ans sans sexe maintenant, 10 ans. Tu m'as dit 2 ans, 2 ans c'est pas possible, t'es fou ou quoi? Donc toi t'aimes cro quoi, tu vas t'en passer. Mais non, c'est que... Toi, son ami, est-ce que tu peux te passer de... Moi? Sur internet? Ouais, non, ouais, sur internet. 2 ans sur internet. Pourquoi? Mais j'aime trop. Et toi, vous préférez 2 ans sans hum-hum ou 2 ans sans internet? Répondez en commentaire maintenant. Répondez, vite. Répondez, j'ai envie de savoir. Action. Edouard, peux-tu faire 3 pompes en portant 15 sur ton dos? C'est 3 pompes. Hein. Allez. Mets ton position. Bah, je mets mon position. Mes hommes. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je couille une belle. Qu'est-ce qui t'arrive là? Bah, attends, on y va. Mais mets pas tout ton poids. Ah! Vas-y. Mais ouais, je mets des couloirs ou je rêve là? Ben, c'est où je suis là. T'es trop lourd. Je suis au sport, mais je suis pas si sportif que ça. Hein. T'es très bien, j'ai réussi ou pas? Non. Action, vérité. Action. Ah, mon rêve. Masse d'épaule et dors pendant 45 secondes. Mon rêve. 1, 2, 3. J'ai besoin d'un massage. J'ai tellement besoin d'un massage. Oh là là, mon dieu, mon rêve. Ça filme bien là? Parce que là, franchement. Je sens que t'es stressé sur ça. Aidez-le ici, aidez-le ici. Mais je vois, ça fait trop du bien, ça. Même, on n'a jamais. T'as passé une bonne journée sinon, toi. Ah ouais, ça. Encore meilleur maintenant. Non, mais c'est bon, merci. Merci beaucoup, merci la famille. À mon tour. Ah, et donc, je n'avais plus le droit de bouger pendant une minute. Carl peut faire ce qu'il veut de toi. Bah, il va rien faire. Carl, action vérité. Carl, quelle est la partie de ton corps que tu aimes le plus? Il y a 2 ans, je sais que c'était quoi? C'était quoi? Troisième jambe. Oh. Plus fidèle. Ok. Tu me la coupes, je m'en vais avec elle. Ok. Très bien. Ça, c'est moi. Vérité. Edouard, préfères-tu faire l'amour le matin, l'après-midi ou le soir? Le matin. En tant que breakfast. C'est tellement le meilleur le matin. Ouais, le matin, franchement, c'est meilleur qu'un brunch. C'est mieux qu'un brunch. L'après-midi, c'est comment quand t'es en vacances? Non, l'après-midi, c'est trop. Vacances, après la piscine, après la tu savoures pas, c'est éteint. Le meilleur, c'est le matin. Et le soir, quand tu rentres un peu tipsy. Ouais. Non, mais oui, mais y'a rien. Mais le matin, c'est trop bien parce que le matin, tu te réveilles de bonne humeur en fait. En fait, ouais, mais tu fais pas de bisous. Genre, non, je fais pas de bisous, hein, non. Moi, je fais de la gueule, frère. Pas de bisous. En fait, on s'occupe du visage, on s'occupe plus du bas. Non, moi, tu sais que moi, ça me vexe de ouf. Je te fais un bisou, maintenant, tu fais ça. Moi, je fais ça. On va arrêter la vidéo là. En fait, vous savez, comme on est plus aussi jeunes qu'avant, on est très libérés de nos paroles et tout ça. Et on va continuer la conversation entre nous sans caméra. Sans caméra. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. On a grave rigolé. Comme d'habitude, même les gens qui sont avec nous dans la pièce, ils ont grave rigolé. N'hésitez pas, si vous voulez une partie 2 avec plus d'invités, c'était trop cool. J'ai grave kiffé. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dimanche prochain. Bah